What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Oh, je viens de rentrer de la salle. Et en rentrant, j'ai eu une sorte de... vous savez, c'est les pensées tubulaires de Rodrigue. Je vois des fois, il y a des trucs qui me traversent l'esprit. Et en rentrant de la salle, j'avais un truc que j'avais remarqué. Le fait de se priver, ça donne de l'importance aux choses. Je sais pas comment expliquer. Typiquement, je suis une personne salée. Je préfère les trucs salés aux trucs sucrés. Et le fait de me priver autant, de pas avoir mangé de trucs sucrés depuis si longtemps, ça, j'ai une envie de donuts. Alors que je suis pas spécialement fan de donuts, mais j'ai une putain d'envie de donuts. Et je me rends compte à quel point la bouffe c'est bon en fait. C'est comme si, imagine que tu kiffes les sushis, sauf que tu bouffes des sushis tous les jours. Lundi, tu bouffes des sushis, mardi, tu bouffes des sushis, mercredi. Bref, tu bouffes des sushis tous les jours. À un moment, ce ne sera pas aussi bon que la première fois que tu as bouffé des sushis, en fait. Et le fait de me préparer pour ce concours et d'autant me priver, j'ai l'impression que ça me permet de me rendre compte de à quel point les choses sont... La bouffe, c'est... Putain, et je pense que ça marche pas qu'avec la bouffe en fait, ça marche avec plein de choses. Faut pas être dans l'excès. C'est comme le proverbe qui dit on se rend compte de la valeur des choses que quand on l'a perdu, ou une connerie du genre. Et c'est ça en fait. C'est quand tu te prives de quelque chose que tu te rends compte de l'importance et de la beauté de ce que t'as manqué, quoi. Et putain, j'ai vraiment hâte que ce concours finisse parce que j'ai envie de manger un donut. Bref, c'était juste une petite vidéo. Encore une fois, il n'y aura pas de promo, rien. Je vais juste la publier comme ça. C'est important de parfois se priver un peu pour se rendre compte de l'importance de ce qu'on a. Je pense que quand on s'éloigne, quand on se détache et quand on se rend compte de ce qu'on a, lorsqu'on reprend... Le contrôle, ou plutôt lorsqu'on on a encore accès, ou lorsqu'on retrouve l'accès, putain, je me perds. Lorsqu'on retrouve l'accès à ce qu'on a perdu, on se rend compte de la valeur de cette chose en fait. Et on va chérir cette chose et on va éviter de la gaspiller et de je sais pas comment dire. Mais c'est important. Se priver, ça permet d'avoir une nouvelle perspective sur les choses qu'on a déjà et de prendre conscience de la chance qu'on a. Bref, c'était la pensée tubulaire de Rodrigue. Peace.